c'est un peu de la colère, quoi, parce que ce qu'ils retiennent, c'est qu'on fait un rassemblement contre les violences d'État, et ils disent que justement, ça protège, en gros, ce qu'ils disent, c'est que ça protège les violences d'État, le fait d'avoir un dispositif de surveillance accru. En gros, c'est ce que, donc en gros, nous, on prend ça un petit peu comme de l'ironie, et après, ben, ça ne nous empêche pas d'être là. Et ironiquement, ben, en fait, de mettre un tel dispositif, ben, les gens ont une réaction et viennent au rassemblement. Donc voilà. C'est un mal pour un bien. Exactement. Donc à continuer, et on sera là à répondre présent. On sera toujours là. Donc toutes les limitations qu'ils pourront mettre aux manifestations, etc., on répondra tout le temps par des référés, par des rassemblements, etc. On ne s'arrêtera jamais. C'est vrai que c'est vraiment très très problématique qu'on mette des drones dans les manifestations déclarées, déjà de manière de manifestation en général, mais encore plus dans les manifestations déclarées. Donc en fait, là, on est en train d'être ensemble et il y a un drone au-dessus de nos têtes qui est en train de nous filmer. Donc je trouve qu'en termes de liberté publique, ça pose vraiment des gros problèmes.